Je sais pas pourquoi le type m'a regardé comme ça, du haut jusqu'en bas, puis du bas jusqu'en haut, sans lâcher un mot. J'ai pas compris, mon destin était-il écrit? Pas envie de le savoir, il y avait dans son regard noir quelque chose que j'aimais pas voir. Depuis, quand j'y repense, je me dis que la vie a l'élégance de ne donner qu'après l'essence cachée des apparences. Sans crier gare, le type a sorti un poignard. Je me suis retrouvé sans fric, sans papier, dans mon sang, sans vie sur le pavé. Tout s'est mis à tourner autour de moi, et c'est là, je crois, que je suis parti. J'ai senti mes repères se défaire. J'étais plus sur terre, j'étais où? Je ne pourrais le dire, ni même le décrire. Plus rien ne ressemblait plus à rien de connu. J'étais comme tout nu au milieu de rien. Mais curieusement, je peux dire que j'étais bien. Enfin, pour une fois, le temps ne pesait pas, et l'espace à son tour tanguait son tango de velours, en ne se préoccupant pas de ce qui autour n'existe même pas. J'étais dans les bras du vent, au-delà des nuages, au-delà du temps, comme en apesanteur, et je n'avais plus peur de ce qui allait se passer. J'étais comme un fœtus, un petit astronome, accroché dans l'aquarium, au cordon de l'opium. Je me dis que la vie a l'élégance de ne donner qu'après l'essence cachée des apparences. Combien de temps suis-je resté en dehors du temps? Je n'aurais pas pu dire la durée du délire, mais un jour j'ai entendu des voix. Ça y est, je crois qu'il revient. Monsieur, réveillez-vous. Vous êtes à l'hôpital, tout va bien. Allez, ouvrez un œil. Un petit sourire peut-être. Ah, ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi l'infirmière se penchant sur mon cas prit soin de laisser voir le bout de l'histoire sous un angle, ma foi, plein d'espoir. Waouh! Je sais pas pourquoi, mais là, je vois.